Et salut à tous, c'est Mindmaster. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'usine à patates automatique. Donc cette usine, elle cuit, elle ramasse et elle trie les patates entre celles qui sont pas bonnes et celles qui sont bonnes. Je vais vous montrer le tuto de cette machine, mais tout de suite je vais vous montrer la démo. Donc comment ça marche? C'est très simple. Ici, il y a l'échelle pour aller chercher les patates cuites. Mais avant, faut les ramasser. Donc comme vous avez vu, ici j'ai mes patates. Je viens juste de planter les patates. Et ici, vous devez vous demander pourquoi écrit 1, 2, 3, 4. Parce qu'au bout du cinquième jour, parce que là, un jour c'est la lumière s'allume, deux jours la lumière s'allume, 3, 4, 5, j'ai pas fait. Au bout du cinquième jour, la machine se lance. Et ça récolte les patates, ça les trie et ça les cuit. Ici, j'ai un bouton si je veux les faire ramasser avant. Donc, on va tout de suite regarder. Je vais mettre la nuit. Excusez-moi. C'est nuit. Et fait jour. Donc ça vous a allumé une lumière pour dire que c'est le premier jour. Les patates, le premier jour, n'ont pas très bien poussé. Je pense que vous avez compris le principe. Je coupe juste je vais jusqu'au 4 et après je vous montre. A tout de suite. Et nous revoici. Donc j'ai fait jusqu'à 4, comme vous avez vu. Et donc là, il fait nuit. Et attention, Et donc comme vous voyez, les patates sont attirés vers cette sortie. Voilà. Il y en a qui restent, après, c'est pas très grave. Puisque ça pourrait vous servir pour les ramasser, c'est fait exprès. C'est pour quand vous descendez, comme ça, parce que sinon vous faites cuire toutes les patates et vous n'en avez plus pour les. J'en ai déjà 33. Voilà, vous en avez une, etc. etc. Je pense que vous avez compris. On va revenir après. Et comme ça, après, les celles qui sont restées, vous faites une petite entrée. Hop. Vous les ramassez. Après, sinon, vous pouvez faire durer l'eau un peu plus rapidement. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous mettez l'eau un peu plus longtemps pour que toutes les patates aient le temps de venir. Comme ça, après, vous replantez. Donc, on se retrouve tout de suite pour le petit tuto. À tout de suite. Et on se retrouve. Si vous avez tout le système de l'extérieur, c'est assez grand. Ça, c'est juste le système pour faire en sorte que le système s'active au bout d'un jour. Vous allez dire que c'est immense, mais c'est absolument pas dur à faire. Voilà, et le système de triage qui est au bout là-bas. Donc le système est très simple. Les patates, elles viennent. Hop, les mauvaises, elles tombent là-dedans. Les bonnes, elles sont tirées dans le hopper ci-dessus. Voilà. Après, la machine, elle trie. Enfin, ça trie, ça amène plutôt. Attendez. Ah, ouais. Ça amène un four qui est là. Bon, ça cuit encore les patates que j'ai à côté avant. Donc ça cuit. Après, le hopper en dessous, il prend et il amène au pot. Donc, je vais vous montrer. Ah mince. Désolé. Ça, c'est dangereux à faire parce que sinon, ça peut casser le circuit restant. Donc je vais vous montrer. Donc là c'est la machine de triage.
la machine de triage. Voilà. Donc ici, vous avez votre allée. Voilà. Désolé, je... Voilà. Donc ici, vous avez votre allée. Et dans ce hopper, donc vous les, les deux hoppers, vous les orientez du même côté. Donc le sud en haut et le sud en bas du même côté, comme ceci. En dessous du tout dernier, du sud du tout en dessous, vous mettez une torche, comme ceci, pardon. Ici, vous mettez un répéteur qui est orienté vers la torche pour l'éteindre. Et ici, vous mettez de la redstone pour faire en sorte que quand il y a une patate ou la chose que vous décidez de mettre dans les hoppers, ça va activer le circuit, ça va activer le répéteur, ça va éteindre la torche, ça va le hopper d'en dessous va juste prendre une seule patate et va l'emmener là où vous allez essayer de l'emmener, donc moi c'est le four. Là. Là, vous mettez vos patates. Hop. Là. Et par exemple, quand l'eau arrive, ça ne prend aucune. Ça prend par exemple pas ses patates. Vous avez vu, ça les prend pas. Vous en mettre autant que vous voulez. Ça les prendra absolument pas. Donc, j'ai à faire. Hop. Là-dedans, il n'y a rien qui a changé. Par contre, si vous mettez une patate comme ça, allez dans le hopper d'en dessous, il y a la patate que ça retire avant. Par exemple, si vous en mettez, vous mettez les bonnes patates, hop, il y en a qui sont un peu mieux par terre. Comme vous l'avez vu, les 5 patates que j'ai mis sont allées dans le hopper d'en dessous et après vous les emmenez au four. Comme ce que j'ai fait avant. Après, pour le four, vous prenez un four. Vous avez besoin de deux hoppers, d'un coffre, enfin de trois, ça dépend. Enfin, comme vous voulez, si vous voulez mettre le coffre ou pas. Moi, j'en ai mis que deux. Enfin, vous pouvez en mettre comme vous voulez. Qu'après, là, ça continue. Là, ça continue. Et ici, hop, vous avez votre four. Et juste là, vous avez votre hopper qui a tiré vers le top. Comme ceci. Donc, dedans, dans le four, vous allez mettre du combustible. Et ce qui est bien, c'est que ça prend pas le combustible, ça prend que les patates déjà cuites. Enfin, ce que vous voulez cuire, c'est déjà cuit. Donc le combustible, c'est le charbon. Excusez-moi. Vous en mettez ce que vous avez. Et donc là, quand vous mettez pas de patates dans l'olive, normalement, si vous avez bien fait, ça va allumer votre four vu que les patates sont en train de cuire. Comme ceci. Et après, hop là. Il arrive dedans. Voilà, donc si vous n'avez pas bien capté le système, c'est comme ça. Donc là, le système d'avant. Avec un hopper, enfin vous les emmenez où vous voulez. Un hopper qui emmène à. Par contre, le dernier doit être comme ceci. Il ne doit pas aller n'importe comment. Il doit être comme ceci, dirigé vers le fourneau. Et en dessous, vous êtes obligé de faire un truc en dessous qui amène au coffre. Donc ça, c'était pour le triage et la cuisson. Là, on va faire la récolte automatique. On va passer de là. Enfin, la récolte automatique. Donc ici, on va faire avec le bouton. Donc le bouton, c'est très simple, vous mettez un bouton. Le bouton est là. Le bouton est là. Quand j'appuie ici, ça éteint l'autre. C'est très simple. Quand je réappuie, ça éteint l'autre. Voilà.
pas plus compliqué que ça. Voilà, donc ce système il est relié au système avec ici les je fais juste ça là, qui est relié au système ici au distributeur. Voilà. Et ici, donc on va commencer ici, ça c'était pour le bouton. Là c'est le panneau solaire. Donc le panneau solaire, excusez-moi, je suis tombée. Le panneau solaire, donc vous le laissez comme ça. Là les torches sont allumées. Ici vous mettez un dropper ou un distributeur, c'est bon, moi j'ai mis un dropper. Comme ça, dès qu'il fera nuit, quand il fait nuit, le système s'éteint, quand il fait jour, ça va s'allumer. Donc ça va jeter le bloc quelconque que vous avez mis dedans. Ça va vous mettre dans le hopper et ça va vous ramener dans le coffre, qui est ici. Donc dès que l'objet est jeté, ça va vous allumer ici le comparateur, qui va allumer le repeater, qui va allumer les deux redstone ici, qui va allumer cette torche, qui va éteindre cette torche, excusez-moi, qui va allumer cette torche, qui va éteindre cette torche. Jusqu'à là, vous avez compris. Après, ça, c'est pas plus compliqué, donc attendez, je vais juste le mettre. Voilà, vous avez vu, ça c'est là. Ça met une lampe. Donc après, hop, vous faites jusqu'au système de triage que je vais vous montrer tout de suite. Là. Donc le système. Et en dessous, ça donne ça. Peut-être que vous ne comprenez pas très bien. En fait, c'est simple. Je vais faire dans le sol. Sinon vous n'allez pas bien voir. Ici, vous mettez, par exemple, vous voulez, comme moi, 5 jours. Donc, vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, vous faites, moi j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. 8, donc vous en mettez 8. Voilà, donc 3, 5, 6, 7, 8, donc il y en a 8. Après, à celui-là, au premier ou au dernier, comme vous voulez, vous choisissez, en fait, comme ceci, donc un hopper qui est dirigé vers celui ici, et et le dernier qui est donc dirigé comme ceci encore, voilà, et celui-ci qui était dirigé vers la pierre ici, il va diriger comme ceci, ce qui va faire que votre item il va tourner en rond. Il va tourner en rond, il va revenir normalement. Voilà, il est revenu, comme vous avez vu. Donc ça va faire ça à chaque fois. Donc si vous mettez avec les lampes, ça va vous donner. Vous mettez vos lampes. Hop. Voilà. Donc ça va que faire, vous l'allumer, vous l'éteindre, etc. Attendez. Vous pouvez mettre la lampe au premier rang, en fait, parce que sinon ça va pas marcher. Mettre, donc vous avez votre appareil, vos deux ici. Vous mettez aux deux à côté, comme ceci. C'est une pierre devant et vous mettez votre lampe. Faites la même chose à côté. Voilà. Ici, etc. Donc, comme ce que j'ai fait là-bas.
Le problème, c'est que si vous laissez comme ça, les lampes vont tout faire s'allumer, s'éteindre, etc. Donc pour faire quelque chose de simple, vous allez mettre de la redstone comme ceci. Donc jusqu'à l'avant-dernier, comme ceci. Et quand vous allez allumer votre système est allumé. Votre item que vous avez mis dedans, donc on attend qu'il vienne. Ah, il est pensé. Donc, l'item dépensé. Voilà. Ça va vous mettre, vous pensez item. Vous avez vu ici. Item, irait. Mince, j'ai fait dans le sens, donc l'item il est bloqué ici, dans celui-là. Et quand vous allez vite, quand le système va vite s'éteindre et s'allumer, il va juste se décaler d'un bloc. Donc on va faire jusqu'à ce qu'une lampe s'allume. Voilà. Pourquoi ça allume deux lampes? Attendez. Pas d'item sur moi. Donc voilà. Ici, il y a une autre lampe. Et donc, ça allume la lampe, la première lampe. Et donc, quand vous allez éteindre et allumer, ça va vous allumer la deuxième lampe. Quand vous allez éteindre et allumer, l'item va se retrouver tout au bout. L'item va se trouver tout au bout, mais le problème, c'est que j'ai fait dans le mauvais sens. C'est malin. En fait, j'ai fait dans le mauvais sens. Clac. 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 Voilà un peu. Là. Et donc là, le système qui est allumé. Donc l'item s'est juste arrêté ici. J'ai encore fait l'erreur du début. Voilà. Ça devenait ça. Ce qui va vous faire que. Voilà, donc le thème il reste toujours bloqué ici, donc 1, 2, 3, le thème il est dans celui-là, 4, 5, le thème il est où il y a la lampe, 6, 7, donc le thème il est ici, et au 8e, donc on peut comme vous voulez, attendez, je me suis trompée. Voilà. Donc l'item, normalement, il est ici. Donc il sera toujours coincé ici. Ce qui fait que, voilà, donc le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. Et au bout de votre. Voilà, de ça. Comment ça s'appelle? Vous mettez. Donc pas celui-là, vous mettez un comparateur, un répéteur, et vous reliez tout le système au distributeur, et parce que sinon ça vous allume l'eau mais ça vous la rééteint pas, vous faites une petite file d'attente qui va rallumer votre circuit, donc rééteindre le système des distributeurs. Pour le champ, vous avez fait de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au bout du 8e, vous creusez de 1 et par exemple, vous voulez arrêter votre champ, vous faites de 9. Moi, je suis en 1.8.3, pas aux autres versions, c'est un bug de moins. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté et pour irriguer votre champ, vous mettez une souris d'eau entre,
Moi, j'ai douché parce que sinon. Voilà, donc comme ceci. Si vous voulez faire comme moi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc de 7 et de 8, comme ça, vous creusez juste avant, parce que là j'ai creusé ici, et pour l'eau, vous creusez ici, comme ça, ça vous permet de reboucher par-dessus. Alors pourquoi reboucher? Parce que si vous ne rebouchez pas, la source. Voilà. La source va se mélanger, donc ça va pas continuer, enfin ça va vous faire un genre de truc comme ça. Et l'eau va pas continuer où là vous voulez, donc tout ce vous. Et donc ça va pas vous récolter la patate. Donc voilà. Donc il faut boucher. Moi je vous conseille de mettre de deux hauteurs pour le distributeur. Hop, et après les pâtes, continuer. Hop, 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 hop. Hop. Et voilà. Jusqu'à là, comme ça, dès que vous appuyez sur le bouton, vous appuyez sur ce bouton, l'eau va pas se mélanger et ça va continuer tout au bout. Donc là, ça continue pas vu que ça reste bouché. Et comme vous pouvez constater, hop. Voilà. Voilà. Ici de même, ça bug de temps en temps. Parce que avant j'avais laissé un peu ici. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris le système de cette machine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker. Si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Moi je vous dis ciao bye et à la prochaine.